Bonjour, je m'appelle Stéphane de la clinique Santé Guindon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épaule. Quels sont les problèmes d'épaule qu'on retrouve très souvent en physiothérapie? Ce sont des déchirures de coiffe des rotateurs ou bien non des tendinites de coiffe des rotateurs. Donc, on va parler de ces deux problèmes-là principalement. Quelle est la coiffe des rotateurs? Ici, sur le schéma, j'ai très bien montré qu'est-ce que l'épaule. Premièrement, ici, la première ligne en haut, c'est la clavicule qu'on retrouve en avant de l'épaule. En arrière, vous avez votre omoplate qui est ce triangle-ci. On retrouve trois principaux muscles de la coiffe des rotateurs. Ici, le premier en haut qu'on appelle le sus-épineux. Celui du bas ici, le sous-épineux. Et le troisième qu'on retrouve ici, qui est le petit rond. Et attaché sur la partie avant de l'omoplate, on retrouve le sous-scapulaire. Ces trois muscles-là vont s'attacher sur le devant de l'épaule. Essentiellement, en physiothérapie, qu'est-ce qu'on fait pour traiter les problèmes d'épaule? Tout d'abord, si c'est une tendinite, nous allons faire une friction transverse sur l'endroit qui est inflammé. On veut diminuer la tension de ces muscles. On veut travailler sur le renforcement de ces muscles. On veut libérer l'articulation de la clavicule avec l'omoplate qui est devant l'épaule. Et bien sûr, diminuer l'inflammation avec des modalités anti-inflammatoires comme la glace. Donc, les principaux problèmes d'épaule, les tendinites et les déchirures de coiffe de rotateur.